Salut à tous les amis, c'est Stox, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2. Je tourne à la suite, donc le facecam ça ne sera pas pour. Et bien tout de suite, on reprend l'histoire donc au moment où on était tout simplement. Ouais, on a déjà vu ça, ça m'énerve. Du coup, on le revoit. Les super tempêtes continuent de frapper la région, empêchant les secours d'intervenir. Nous vivons des temps incertains. Voilà, nickel. Nickel crum. Bon, voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cet épisode, je ne sais pas quand il va sortir, ainsi que Minecraft pour. Pour le truc. Ah oui, d'accord, donc on reprend ici. Donc, ouais. Faudrait peut-être faire une petite ellipse, je sais pas. Ouais, quoique. Le mec il prend la route comme s'il le connaissait pas. Égal. Ça va. Faites sortir le fils de là. On file au point de rendez-vous secondaire avec 4 cibles de plus. Bien reçu. On sort de la route. Droite d'exfiltration en vue. On arrive trop vite. Voilà, c'est ici qu'on s'est arrêté. Voilà notre taxi. La première capsule d'exfiltration. Attendez, je reviens. Recommencer mission, reprendre, recommencer mission, reprendre. Ok, re les amis, désolé, petite interruption, mais je sais pas. Monsieur le ministre, est-ce que ça va? Vous pouvez bouger? Ok, alors. Oh putain, merde, j'ai pas eu le temps d'y aller, je les ai pas suivis. Je suis con. Combien de morts on est là? Oh là. Non! Mais oh, j'ai même pas le temps d'aller au point. Au point. J'ai pas le temps. Je jure. Ah bah là c'est vraiment l'endroit là où je me suis vraiment arrêté la dernière fois. Ouais c'est tombé. Vous allez pas mourir aujourd'hui. Vous allez pas. Oh le mec qui rassure quoi. Mais qu'est-ce que je fais?
C'est chaud. Tout va bien se passer. Reste avec moi. Accroche-toi. Comment il lui a arraché sa main, quoi? Ou son bras plutôt, ouais. Ok, donc ouais. Ok, c'est cool. Donc ça, j'aime beaucoup le principe de niveau. Où suis-je ? Sur le jeu, j'aime beaucoup. Bon. Du calme. Voilà. Là, je crois, je pense qu'ils vont lui mettre une truc en fer. Là, maintenant, c'est vraiment là où je me suis arrêté. Je connais vraiment plus l'histoire. Ouais. On a atteint nos buts. L'homme fera toujours mieux que la machine. Malheureusement, vous avez de bien vilaines blessures. Vous êtes stable, mais il va falloir du temps. Qui êtes-vous ? C'est moi, Taylor. Il faudrait peut-être vous réveiller. Non ? Je suis en train de me souvenir de nouveau de la campagne de Black Ops 2, mais je m'en souviens plus. C'était toujours là. Bienvenue. Taylor. Ouais. Tu sais ce qui se passe ? Est-ce que je rêve ? Bah, si on veut, ouais. Autant y aller carrément, hein. Après tout, tu peux toujours te réveiller. 12 décembre 2054, 7h30. Nous sommes à bord d'un train privé à destination du quartier général de Coalescence, basé à Zurich. Nous transportons un prototype pour le projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. C'est-à-dire un logiciel d'IA spécialisé capable de se réécrire. Il pourra se connecter à n'importe quel autre système dans le monde. À l'époque, c'était de la technologie de pointe. Ça allait révolutionner un beau paquet d'applications civiles et militaires. Enfin, ça aurait, si le train était arrivé à destination. Quoi ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? C'est ça aurait si le train provoque une explosion à bord de ce train. Des années de recherche en robotique qui partent en fumée. Tu es là pour empêcher ça. C'est pas réel. C'est impossible. Qu'est-ce qui m'arrive ? En ce moment, t'es dans un coma artificiel avant de te faire opérer. T'as un nouveau composant dans ton cerveau. Une interface directe neuronale, IDN. J'en ai une aussi. C'est ce qui me permet de communiquer avec toi. Ton IDN est ce qui relie ton esprit à ton nouveau corps et au monde qui t'entoure. On est connecté. Tout ça n'est qu'une simulation dans notre esprit. Et t'as du pain sur la planche. Oh. Ça fait réfléchir. Okay. 11h30, le 11 décembre 2054. Les forces de sécurité de Zurich reçoivent un appel anonyme leur indiquant la planque des terroristes. Malheureusement, ils sous-estiment la puissance de feu que ces sales fils de pute ont amassé. Ils se font prendre par surprise et ils morflent comme jamais. Bilan. Boum le train. Tu te souviens de Diaz ? Je crois. Il va t'aider à t'habituer à tes nouvelles capacités super cool. La communication, frangin. On doit tous être synchro. Hey Taylor, t'es un vrai connard. Il a rien entendu. Si je veux te parler, l'IDN fonctionne sur un canal fermé. J'ai même pas besoin d'y penser. Mais, pour info, si t'envisages de traiter Taylor de connard en direct, je te préviens, tu vas morfler encore plus que ces robots. Ok.
Voyons si tu peux y arriver sans te faire trouer la peau, contrairement à ces pauvres types. Ok, prépare ton arme. Je peux que tu putes ces enfoirés. Wesh, le gars il prend une arme pour la première fois, tu sais, il a un shoot de niqué. Attendez. Ce truc qui me gêne. C'est des fous les enculés. J'avance droit devant. Yes, t'es fou. T'es mort, regardez, c'est des fous. Ah ouais. En fait, je pensais pas. Oh putain, faut que je recommence. Oh, ça casse la tête, ça. Putain, t'as pas envie de recommencer et toi, tu recommences. J'aime bien cette arme, elle est stylée. C'est la quoi? Ah, c'est la. Ah, je pensais que c'était la M. Non mais... Oh chier ça hein. Casse les couilles ça, putain. En plus c'est des trucs de merde. Ça, ça rend fou. Vas-y maintenant les gars, je fais super attention. Il est où ? Ton IDN peut te donner de précieuses infos pour t'aider à visualiser le champ de bataille. Passe en mode tactique. Ouvrez les yeux pour la première fois, hein. Puis c'est grave. Allez, utilise ta mobilité améliorée. Oh, il va te falloir un peu de temps, mais tu seras vite à l'aise. Essaie un peu, j'ai parié $100 que tu arriverais. Pas mal pour un début, pas mal. Mode tactique met en évidence les dangers comme les roquettes et les grenades. Tu vois du rouge qui clignote, tire-toi.
putain. Oh, vas-y. Oh, si je recommence jusqu'au début, je pète un gros câble. Oh, c'est bon. Ok, les gars. Je fais juste une petite pause et on se retrouve juste après. Double cher. C'est parti. Faut recommencer mission, reprendre, recommencer mission, reprendre. Re, les amis. Ouais, ok, petit bug. C'est bon. Double cher. Cher. Hop, prendre, recommencer mission, reprendre, recommencer mission. Voilà, les amis. Tu vois les marqueurs rouges et jaunes? Ce sont les zones de tir. C'est pas là que tu veux te promener. Il y a des renforts dans le camion. Du mode tactique sont synchronisés avec le reste de l'équipe. Là, nous voit un truc, on le voit tous, même à couvert. Si j'allais mourir à coup de lui. Continue d'avancer. Putain, les zones rouges, c'est pas où je fous que j'aille en fait. Vérifie tes munitions. Prends-en d'autres si t'as besoin. Ok. Attendez. Ah putain, mon oreille elle me gratte. Il est où? L'IDN nous permet de communiquer entre fils nous. De pute. Mais aussi il y en a, il me tire dessus depuis avant. Ah, il est là. Comme par exemple la plupart des drones de base. Pour les bipèdes, ces unités terrestres sophistiquées, c'est plus compliqué par contre. Ces enfoirés ont une intelligence synergique. Si t'essaies d'en prendre le contrôle. Bam, tu te grilles le cerveau. Mais cela, ils sont faciles comme tout. Vas-y, pirate-les. Va voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Ça te va comme un gant, hein? Et maintenant, il y a un générateur pas loin d'ici. Détruis-le et ça devrait ouvrir la porte. Oh.
Oh, c'est violent, j'aime trop. Allez. Il va pas vite. Mais moi j'ai envie de rester dans le drone, c'est cool. Dès que tu vois une caisse de munitions, ce serait con de te retrouver à sec en plein combat. Ouais. Attention, au deuxième. Si tu veux t'amuser un peu, tu peux utiliser le détournement sur cette tourelle. J'avoue. Je pense qu'on va juste terminer ça. Ouais, j'aime trop putain ça. Sur quelques... Je suis en train de salement de me concentrer là-haut.
Bon, les gars, on va arrêter là, je pense, parce que... ça prend la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'est Skiltox. Ciao. Mon cher.